Chers frères, sœurs, sœurs en Christ, je suis le prédicateur en nom Yahweh César, prédicateur de l'église Papa Nouveau de Jopougon. Je voudrais qu'on s'entretienne sur la vie après la mort. Oui, la question se pose, est-ce qu'il y a la vie après la mort? On te dit même, qui allait là-bas pour voir? Qui est revenu, qui a dit non, après la mort, il y a la vie. Mais je te demande simplement de croire à cette parole, puisque le paradis existe. Le paradis existe. Vous savez, personne n'allait là-bas pour venir vous dire non, le paradis. Mais le paradis, c'est sur la terre. L'abondance, vit dans l'abondance. C'est ça, le paradis. Ça représente le lieu final où les humains seront récompensés de leur comportement ou de leur foi. C'est un état de plénitude, de vrai bonheur. C'est ça le paradis. Ceux qui meurent, qui font du mal, avant de mourir, on sait comment ils finissent. Là déjà, ils passent tout le temps à faire du mal. Du mal, rien que du mal. Mais les faits, elles sont tragiques. Après la mort, avec Paul, on te dit qu'il y a d'autres vies. Il y a la vie après la mort. Quand tu fais bien ici, tout ce que nous faisons nous accompagne. Tout ce que nous faisons nous accompagne. Tu as bien fait, tu iras avec le bien fait. Tu as mal fait, tu as réussi à le mal faire. Mais notre souhait n'est pas qu'on fasse le mal ou se retrouver dans l'enfer. Notre souhait, c'est de bien faire. Il faut faire quand même. Si tu vas bien, il n'y en a pas, tu n'as pas perdu. Fais quand même. Fais le bien. Pratique le bien. Si tu vas, et puis il n'y en a pas, tu n'as rien perdu. Mais quand tu ne fais pas le bien, et après la mort, tu découvres qu'il y a l'enfer, tu vas regretter. Tous les dimanches, tous les jours, aujourd'hui, partout, Abidjan, les pasteurs prêchent. Partout, dans les rues. Attire tentation sur le bien. Le bien. Faisons le bien à nos frères. Faisons le bien partout. Au travail, en entreprise, en famille, dans la maison, partout. Pratiquons le bien. Pour que si nous partons après la vie, s'il n'y a rien là-bas, tu n'as pas perdu. La vie après la mort. La Bible nous dit dans le passage de Luc, le chapitre 16, le verset 22, que le pauvre Lazare mourut et il fut porté par des anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Il est important que nous comprenions ces choses. Il y a plusieurs personnes qui vivent comme si la mort n'existait pas. Il y a une vie après la mort. La Bible dit dans cette parabole qui nous a été racontée par le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un homme, il a vécu, il était pauvre. Cependant, il craignait Dieu, marchait selon la voie du Seigneur. Et après sa mort, Dieu a déployé toute une armée céleste pour emporter, pour prendre Lazare le pauvre et l'envoyer au sein d'Abraham. Un endroit où les joyeux, un endroit où les enfants de Dieu, un endroit que j'appelle la félicité céleste. Le riche aussi mourut et il se retrouve de l'autre côté, de l'au-delà, là où il y a les cris, les grincements des dents. Je voudrais dire par là, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 11, le verset 25. Jésus confirme, et je l'affirme, il dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il retrouvera la vie. Il est important que nous pensions à demain. Aujourd'hui, c'est le temps que le Seigneur nous donne à penser après la vie passagère sur la terre, la vie qui ne dure pas plus de 120 ans. Où me trouverai-je? Dans le sein d'Abraham ou dans le séjour des morts? Aujourd'hui, la porte est ouverte. Aujourd'hui, il y a une clé qui t'est donnée, qui est Jésus-Christ. À part lui, il n'y a pas de salut en aucun autre nom. C'est avec Jésus-Christ que nous pouvons vivre le paradis. Nous pouvons vivre le royaume des cieux, la félicité de Dieu. Un endroit où coule le lait et le miel. Un endroit où il n'y a pas de pleurs, ni de grincement des dents.
un endroit où il n'y a pas d'amertume, un endroit où il n'y a pas de trahison, un endroit où il n'y a pas la politique humaine remplie d'hypocrisie, la sorcellerie, la méchanceté. J'aime parler de Jésus, j'aime cette vie. J'ai déjà, par la grâce de Dieu, vécu dans un songe où je voyais le trône de Dieu, un endroit où les anges étaient déployés au service des hommes. Où quand quelqu'un, il vit, il croit en Jésus, Dieu, il lui permet de voir cette vie qu'il lui donnerait après sa mort. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, celui qui vaincra, je voudrais que nous vaincrons et que nous ayons cette vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Salam alaikum wa rahmatullah. Cette fois, nous voulons parler de la vie après la mort. Comme vous l'attendez, la résurrection. Oui, après la mort, il y aura une vie. Parce que on doit rendre justice. Combien sont-ils ces criminels, ces bandits de grand chemin qui ont échappé à la justice des hommes? Mais s'agissant de la justice du bon Dieu, jamais ils n'échapperont parce que cette justice-là est réservée pour la vie après la mort. Voilà pourquoi, pour que les gens aient foi en cette résurrection, le bon Dieu a envoyé les prophètes et messagers et il a révélé toutes sortes de livres, la Torah, l'Évangile, les psaumes, le Coran, pour inciter les gens à avoir foi en Dieu et pour leur rappeler qu'ils auront un retour vers lui. Et ce retour-là à lui est appelé la résurrection, ou si vous voulez, la vie après la mort. Dans la sourate 64, verset 7, Allah nous dit ceci: les mécréants prétendent qu'il n'y aura point de vie après la mort. Mohamed répond-les en disant: oui, oh que si, je jure par Dieu que vous serez ressuscités et vous serez informés parfaitement de tout ce que vous avez entrepris comme acte. Et après cela, vous aurez votre récompense soit au paradis, soit en enfer. Et le prophète de l'islam, alayhi salam, nous dit: vous allez connaître la mort tout comme vous connaissez le sommeil. Et vous connaîtrez la résurrection tout comme après le sommeil, vous vous réveillez. Oui, celui-là qui veut comprendre la mort, qu'il médite un tout petit peu sur le sommeil. Et celui-là qui veut comprendre la vie après la mort, qu'il médite un tout petit peu sur son réveil après son sommeil. La mort égale au sommeil, la vie après la mort est égale à notre réveil après notre sommeil. Et le prophète, alayhi salam, il avait pour habitude à la Mecque de jurer par Allah aux habitants de la Mecque, les faisant savoir qu'il y aura la résurrection. Après la mort, il y aura une vie. Les savants nous disent qu'il y a quatre vies. La première vie, c'est quand nous étions dans les ventres de nos mamans. La seconde vie, c'est cette vie terrestre. La troisième vie, c'est dans la tombe. Et la quatrième vie, c'est la résurrection. Et là, chacun aura sa récompense. Si jamais nous avons foi en cette vie après la mort, ça va nous envoyer à être correct, à être digne, à avoir de bons comportements. Mais si nous nous disons qu'il n'y a pas de vie après la mort, ça sera le chaos. Chacun fera ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas de vie après la mort, donc il n'y aura pas de justice. Il n'y aura pas la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si jamais il échappe à la justice des hommes, il échappera aussi à la justice de Dieu. Alors que c'est faux, après la mort, il y aura une vie. Donc sur ce, salam alaikum wa rahmatullah. Le mariage qui est l'acte qui nous permet, n'est-ce pas, de parler de procréation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ya ma'ashara shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Il dit: oh vous les jeunes, celui à qui Allah donne le moyen du mariage, qu'il se marie.